mettre, je nous dis là, en février 2019. Commissaire Paul est rendu là, quitté fonctionne après 10 mois, je crois, septembre 2019. Dans l'intervalle, commissaire Sati là, c'est de sa mandat fait. Donc si il y a un monde qui a demandé justice, qui veut faire, mettez éclairage, mettez lumière sous ça qui veut jouer là, c'est là pour commencer. C'est mandat ça d'abord. C'est point de départ, toute enquête. Si vous avez un juge qui a dossier ça, il ne pas tenir compte ça, il a fait pas l'affaire. Parce que c'est mandat ça qui conduit à la mort de Jovenel. Et qui est-ce qui fait mandat? Noël Sirius. Qui côté Chita? Ils font un petit groupe. C'est allié Pierre Espérance. Ils font un petit groupe. Commissaire gouvernement Potelli. Et actuellement là, ça m'a fait ressortir pour nous là. Qu'on m'a touché. Pierre Espérance rendit compte que pour le sortir en salle là, il seulement tribunal première instance de Port-au-Prince qui a sauvé. Qui ça le fait? Il contacte cette équipe et puis il y a un camarade qui c'est Paul Ewonzi qui s'est allié à NDDH qui est dans le cabinet mini-justice qui a fait le pont pour lui et pour conduire le dossier qui dossier dossier criminel quel thème massacre à Sali quel thème massacre de Matanzio quel thème affaire chef son salon quel thème affaire gang 4x4 pour tout al tomber dans le panier juge pas que choisi qui se juge Jean Wilner Morin. Aïe, choix pas le fait. Je ne pas prendre si je suis dans le juge déjà. Mais dans le démarche, et comme ça, il planifie. Il planifie quoi? Dossier absorti. Parce que, monsieur, ça, dans le cabinet de la justice, ça vous dit, monsieur, tout autant que c'est yo là, vous ne pouvez jamais paraître devant la justice pour quel que soit le dossier, il reproche là. Donc, et pour ça, il était planifié pour écrire doyen, demander une audience en privé. Même j'ai l'habitude de faire un huis clos. Il demandait plusieurs juges huis clos. Et juge Lama, juge qui était arrêté chez son nom. Il tout le monde est huis clos. Donc il demande un huis clos. Il a fait un rendez-vous. Et à partir de là, il va planifier tout ça. Et lui disposer une enveloppe. On a peut-être appris qui montant qui est dans l'enveloppe là pour que Zami ça qui est dans le cabinet ministre pour faire parcours avec lui dans le dossier. Et ça que nous dit mini justice là que aller dans le CPJ, aller dans le tribunal, premier instance dans le parquet de Port-au-Prince, pour voir qui ça a gagné contre Pierre Espérance. Au niveau tribunal, premier instance de Port-au-Prince, il y a plus que 5 plaintes qui déposait contre Pierre Espérance. Dans DCPJ, il y a plus que 13 plaintes qui déposaient contre Pierre Espérance. Et en dernier lieu, ou bien dernier plainte qui déposait, c'est plainte de Chelson Sanon. Qui dit qui ça? C'est pour vol, extorsion, kidnapping, association. Donc, est-ce que yon un ancien commissaire gouvernement qui te collaboré avec un juge criminel qui en dedans tribunal première instance de Port-au-Prince capable de continuer à patauger à sale image justice pays et pas oublier que il y a deux juges qui te dit Pierre Espérance détruit justice là on dit juge c'est pas tout à fait vrai. Pierre Espérance détruit justice là, dans le tribunal première instance de Port-au-Prince. Pierre Espérance domestiqué à un certain temps au niveau de CPJ, mais et pas Kounia là. Pierre Espérance a contrôle CSPJ parce qu'il y a quorum pour capable permettre lui pas quitter les juges certifiés. Mais nous allons respecter, c'est tout à fait le contraire. Par contre, qu'un tribunal première instance. Dans sa crête, que Pierre Espérance de autorité pour faire salver. Et salver le faire, il fait là, dans le tribunal, première instance de Port-au-Prince. C'est ça que nous dit Jujo. Nous dit Troyens. Nous-mêmes, dossier pas nous. Plainte pas nous, pas qu'à traiter
dans le tribunal par là. Parce que c'est des points, c'est juste, c'est pas parti pris en fait. C'est pas monde pas qu'en fait. Donc personne n'a pas fait toutes deux autres dans le pays pendant 23 ans, détruit monde sans caractère monde pour venir aujourd'hui à la même tribunal ça que le détruit que lui-même lui dit que le persécuté pas qu'à venir dans bureau, faut que font gens pour venir et puis collaborer avec un commissaire gouvernement qui était marié saucisse avec Junoël Sius qui met mandat derrière Jovenel, mandat d'arrêt, et dossier a passé paquet bureau et cabinet doyen et puis là j'ai un juge et puis mandat met derrière Jovenel et puis il a arrêté Jovenel Moum qui le mandat ça y met pendant administration commissaire gouvernement Paul Ewons Villard qui Kounia la qui a fait toute sa connaissance, toute captation. Et nous disons, c'est bien compté, mal calculé. Si vous pensez que vous avez enterré le dossier ça, vous avez enterré 100 personnes qui versent, sous prétexte que l'espérance tout puissant, li bay tout le monde menti, li bay blanc menti, li bay nèg menti, li trompé la police, li trompé la justice, li détruit le secteur de droits humains. Donc, je dis à nous, non, doyen, non, magistrat, non, commissaire, faut que lumière, faite sous dossier ça. Nous continuons pour nous dire que Madame Auguste du Sénat, nous ne m'attendons pas du tout, mais c'est plein d'affaires pour quitter le pays, hein, parce que les suspects que vous avez relevé dans le dossier Chelson. Actuellement, là, ça l'a fait, l'a cherché route. Pour le passer par sud-est. Traverser Tiot, tomber dans la commune qui a une frontière avec Dominicain. Pour quitter le pays, parce que, en pile d'informations qu'il a, fait connaître que le CPJ a pour réveiller sous plainte personne. Donc, nous avons ce public-là, même si vous attendez, ce tunnel l'a créé pour le jeter, parce que il a pour la répondre à la question sous ça, la justice, sous ça, sous plainte. Je dépose pour lui par devant la justice. Mais attendez, non. Dernier point pour nous finir. Je confie en ça pour nous finir. N'a pas dit à la société, à l'État, faut que vous fassiez un pile effort. La situation pays est là, pour retirer en situation ça, pour payer la stabilité pour l'élection. C'est dans le cas contraire. Si vous pensez que y a un privilège, ou c'est ministre, ou c'est directeur général, ou c'est secrétaire d'État, ou c'est grand fonctionnaire, ou a vu privilège seulement, frère Caburan et autres, ou va mettre pied à terre pour accompagner le monde qui a boumé, pour mettre sécurité dans le pays ça. Parce que, faut qu'on accompagnement pour les policiers nous et l'armée d'Haïti. Dans le cas contraire, nous risquons le pays à prendre route Somalie, route Kosovo, route Libye. Jusqu'à présent, on a parlé là. Il faut qu'on en dise, ça. Mais autorité qui a vu le privilège, moi, conseiller, je mette pied à terre. Pour supporter l'action qu'a faite dans le pays, ça. Pour que vous capable de joindre un moyen pour le pays à soutenir sa guerre. Parce que trop de monde a souffert. Vous n'avez pas payé pour ça. Regardez mon petit ville, notre bord, académie. Dans qui ça, vous avez été pour tout le monde, vous avez déserté comme ça. Bon raison qui fait ça. Donc, nous avons une raison pour faire autorité, accompagner la police et accompagner la population. Merci.